Comment ajouter un fichier audio sur un PDF? Ici, il y a une icône. En double-cliquant, on est en mesure d'entendre ce qui a été enregistré. Alors, en ouvrant le PDF, si vous êtes avec une version Adobe Reader 11 ou ultérieure, vous avez accès à un bloc des outils de commentaires que vous êtes en mesure d'afficher en cliquant sur « Commentaires » par exemple. Et parmi les outils disponibles, il y a un enregistreur audio. On sélectionne cet outil, clique sur le document. Par défaut, il y a un magnétophone qui s'affiche. Éventuellement, vous pourriez parcourir vos dossiers et y insérer un MP3 qui aurait été fait avec un autre outil, votre cellulaire ou un autre outil d'enregistrement audio. Sinon, vous pouvez utiliser ce petit éditeur par défaut en cliquant sur le bouton rouge. Ça va vous permettre d'enregistrer et d'insérer automatiquement. Alors, je vais cliquer. Alors, on est en mesure d'enregistrer un message. On confirme le tout. On peut choisir l'icône ici. Par défaut, c'est un haut-parleur. Et aussitôt, il y a l'icône qui est ajoutée au PDF. Il s'agit alors par la suite de double-cliquer sur cette icône pour entendre ce qui a été enregistré. Bien sûr, si vous désirez que ces annotations demeurent sur le document, il faudra prévoir enregistrer votre PDF avec les annotations audio pour que celles-ci puissent être sauvegardées. Voilà.